السلام عليكم أزور فلاون بونجور. Le régime algérien a fait de l'équipe algérienne, l'équipe de football, un véritable fonds de commerce pour sa propagande et la promotion de son image dans le monde. Au point où la seule chose que Bouteflika ait dit à Sissi était que le roi saoudien l'avait appelé au téléphone pour le féliciter des exploits footballistiques algériens. Mais on n'a pas encore entendu une seule fois un seul officiel algérien reconnaître que cette équipe, dont le régime se sert pour flatter les instincts patriotiques du peuple, cette équipe qui est en train de représenter toute l'Algérie, qui se bat pour les couleurs de notre pays, est composée à 70% de fils d'émigrés. Ce qu'on appelle Zmagra. Ces émigrés dont on ne se rappelle que pour leur demander de jouer dans l'équipe nationale, d'aller au bureau de vote pour gonfler le nombre d'électeurs du régime, ou d'engraisser les compagnies Air Algérie et Aigle Azur. Pour le régime, ces émigrés ont, en effet, une utilité particulière, servir de vache à lait pour Air Algérie. C'est surtout grâce à cette source de financement considérable que cette compagnie n'a pas fait faillite. Mais pour que cette faillite ne se produise pas, justement, il fallait ne permettre aucune concurrence, hormis celle d'Aigle Azur, qui dispose d'un monopole non dit, parce que ses relations avec certains barons du régime sont très, très, très particulières. Et donc, Air Algérie et Aigle Azur se partagent globalement la vache à lait émigrée, et pas seulement en France, mais partout où vit notre diaspora. Cette situation a engendré de véritables tragédies, puisque nous pouvons rentrer chaque année avec leurs enfants, à cause de la cherté des tarifs, nombreux de nos compatriotes sont ceux qui ont rompu avec la mère patrie par la force des choses. Leurs enfants ne pouvant plus se rendre dans leur pays d'origine ont fini par l'oublier. Beaucoup ne se sentent même plus algériens et préfèrent dépenser les prix faramineux du billet pour aller aux quatre coins du monde plutôt que dans ce pays qui les rejette et les pressure. Après avoir saigné leurs parents. Un régime qui feint d'oublier que c'est la diaspora algérienne, l'immigration algérienne en France, qui avait été le principal pourvoyeur financier de la révolution algérienne. Qu'on se le dise et qu'on se le rappelle. En ces temps où verser sa cotisation à la révolution était un devoir sacré. Je n'en dirai pas plus. Des invités sont là pour en parler. Ils sont directement concernés et s'organisent en conséquence. Pour aujourd'hui, Algérie1.com, le PDG d'Air Algérie insulte la communauté algérienne résidant à l'étranger. Al-Watan, le collectif CCTA réclame la tête du PDG d'Air Algérie. Liberté, le PDG d'Air Algérie, Boltef, hier au forum de Deka News, les tarifs promotionnels sont pratiqués dans la limite des places disponibles. Mais avant de recevoir nos invités, on va visionner ensemble une courte vidéo dont les images ont été prises justement de ce comité contre la cherté des tarifs pour l'Algérie. Vidéo s'il vous plaît. Je suis
Pas seulement pour la solution, pas seulement pour la solution, pas seulement pour la solution.
Ouverture du ciel algérien à la concurrence et entrée des compagnies low cost. Nous allons commencer par recevoir M. Salah Hadjab, porte-parole du CCTA, du collectif contre la cherté des transports aériens. Allô, bonjour. Bonjour, oui. M. Salah Hadjab, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Jamaldine, bonjour tous les spectateurs de Al-Maghribia, merci pour cette invitation. Merci à vous. Alors, où est-ce que vous en êtes dans vos manifestations, dans vos revendications, dans votre mobilisation de plus en plus importante en France et un peu partout dans le monde? Alors, nous avons organisé deux rassemblements. Le dernier, c'était le 14 juin. Ensuite, un deuxième rassemblement le 21 juin, c'était dans quatre villes françaises, donc Lille, Lyon, Metz et Paris. Et également, il y avait un rassemblement à Londres le 20. Aujourd'hui, suite à la dernière déclaration de PDG de Air Algérie, nous organisons pour préparer des grands rassemblements dans les sept agences de la France et dans les autres agences, devant toutes les agences Air Algérie dans le monde, sachant qu'il y a 18. Et notre demande, elle est symboliquement devant Air Algérie, mais nous, on s'adresse au ministère du Transport parce que notre combat n'est pas que pour le transport aérien, mais il est aussi pour le transport maritime. Monsieur Salah Hadjab, à propos du PDG d'Air Algérie, il aurait, j'utilise bien le conditionnel, insulté les émigrés algériens, il les aurait traités de zigotos, il aurait dit que l'Air Algérie ne leur appartient pas, que s'ils ne sont pas contents, ils n'ont pas qu'à ne pas aller en Algérie. Il l'aurait dit, mais nous avons eu beau chercher des enregistrements ou des témoins, nous n'en avons pas encore trouvé, et vous-même de votre côté? Oui, nous-mêmes, de notre côté, on n'a pas trouvé, mais aujourd'hui, jusque-là, il y a pas mal de sites internet d'informations sérieux comme Algérie 1, Algérie 360, Algérie Focus, comme Chauve-Chauve, c'est des sites sérieux, qu'ils ont publié l'information, qui nous ont confirmé par mail qu'ils ont des témoignages. On peut dire aussi le fait que ce monsieur-là n'a pas porté plainte pour diffamation, c'est encore une preuve qu'il a tenu ces propos-là. Et d'ailleurs, même sa dernière déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier, c'est une déclaration bâclée qui va dans tous les sens, qui annonce à la fois qu'il y a des promos depuis le mois de janvier, deux secondes derrière, il annonce que tous les vols sont complets, après il rassure les clients comme quoi il y a des places, et après il va jusqu'au point de dire il faut dire aux gens qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Moi je peux lui dire oui, on ne compare pas l'incomparable parce que les autres compagnies aériennes, elles sont des vraies compagnies aériennes commerciales, mais Air Algérie c'est un centre social pour les proches des systèmes, c'est une porte de sortie à l'étranger, c'est une sorte de porte d'immigration et d'emploi à l'étranger pour les proches du système, et c'est pour cette raison que cette compagnie, elle contient le double de salariés, et cette compagnie, elle ne survit que sur les subventions de l'État, ainsi que sur les économies des pauvres immigrés, comment on est durement épargnés. Aujourd'hui, on est en train de vivre une scène dramatique. On a des retraités qui touchent 600 euros par mois, alors que le billet d'avion pour aller en Algérie, c'est 600 euros par mois. Comment il peut ce monsieur-là, qui a donné toute sa vie pour l'Algérie et pour travailler durement pour qu'à la fin, il ne peut même pas aller passer une fête de l'année, donc passer Ramadan chez lui. Et concernant les services d'Air Algérie, les services, comment ils reçoivent le public, comment ils sont embarqués, comment ils les laissent attendre pendant des heures, il y a des histoires par centaines qui circulent sur les mauvaises prestations d'Air Algérie depuis maintenant des décennies, pas des années, depuis des décennies.
Air Algérie et Algérie Ferry, c'est une sorte de souk el fellah de transport maritime et de transport aérien. Tout le monde se rappelle l'expression à l'époque de souk el fellah, c'est hebel el qmach eddi wallah khalli. C'est comme ça Air Algérie. Dans les dernières années, les gens ont essayé de réclamer des améliorations, mais nous avons compris à comprendre que cette compagnie, il y a plus rien à espérer. C'est pour ça, nous demandons à cette compagnie de laisser le marché libre. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour demander des cadeaux ou demander de la charité. On est là pour demander le juste prix. Comme tous les citoyens de cette terre-là, le juste prix ne sera que le fruit d'une concurrence Mais royale. Salah, s'ils acceptent la concurrence comme au Maroc, en Tunisie, un peu partout, ça veut dire que Air Algérie va faire faillite, puisque il n'y a pas de gens compétents pour la rendre compétitive, et Aigle Azur ne va plus pouvoir amasser des milliards de dollars sur le dos des immigrés. Mais le problème, soit on va penser à des corrompus qui gèrent le domaine de transport, sinon on va penser aux 7 millions d'Algériens, quand on parle de 7 millions, plus les Algériens qui sont à l'intérieur, qui veulent aller à l'étranger, et plus aussi les Algériens qui vivent dans le sud, qui ne rêvent pas aller voir Alger, et vice-versa, ceux qui sont du nord, qui vont facilement en Tunisie, parce que ça coûte moins cher d'aller en voiture, que de descendre par avion jusqu'à Tamaraz. Donc aujourd'hui, on est en train de choisir entre 40 millions d'Algériens, 37 plus 7 millions, ou une bande de corrompus qui fait à peu près 10 000 plus 5 000 chez Aigle Azur, et on va prendre ces privilégiés. Non, je suis désolé. Eux, ils disent, aujourd'hui, ils sont en train de se vanter encore une fois, de dire, nous acceptons beaucoup plus commander le poids pour le bagage, nous avons un repas chaud, nous avons, yahouya, pas de souci, vous avez tous ces services, ouvrez le marché, libérez, laissez les autres compagnies rentrer comme chez les voisins, on ne demande pas l'impossible, les Marocains, sincèrement, rentrent chez eux avec 50, 60, 80 € et quand ils ne peuvent pas prendre l'avion, il y a des bus, tous les bus peuvent aller au Maroc. En Algérie, on n'a pas ce moyen. Il y a les Euroline qui amènent des Marocains de Paris jusqu'au Maroc, 60 €. Restez avec nous, Salah Hijab, restez avec nous. Nous allons recevoir maintenant Zohra Zahouani. Merci de nous vous avoir rejoint. Vous êtes du nord de la France. Zohra Zahouani. Zohra Zahouani, est-ce que vous pourriez baisser le son de votre chaîne, de votre télévision, s'il vous plaît? Zohra Allô? Zahouani, allô Zohra Oui. Zahouani, merci. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je vous demanderai de baisser le son de votre téléviseur parce qu'il y a un retour. Oui. Bon, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, que pensez-vous Je vous de... remercie de m'avoir laissé dire ce que je pense. Voilà, moi je suis entièrement d'accord avec monsieur Salah, avec tout ce qu'ils disent sur cette compagnie et ses associés à Glazur et pas à Glazur uniquement, il y a Air France aussi, qui s'en fait fortune sur notre dos. Moi, je suis une mère, j'ai deux enfants. Actuellement, je ne travaille pas. Alors, pour rentrer chez moi, je suis obligée de me priver toute l'année pour pouvoir rentrer. Et encore, je rentre une fois sur cinq, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans. Et aussi, il n'y a pas que les billets, monsieur. Il y a les billets, il y a les prestations, il y a plein de choses. Air Algérie, elle répond même pas au téléphone. Où j'habite, il n'y a pas de compagnie qui est à côté de chez moi. Je suis à 150 km de Lille. Eh ben, il faut que j'aille jusqu'à Lille pour arriver. Or que par téléphone, ils répondent même pas. Ça, je vous confirme, Air Algérie ne répond jamais au téléphone. Voilà, monsieur. Ouais. Et même Algérie Ferry, monsieur. Algérie Ferry, moi j'ai payé cette année pour ramener la voiture, parce que vous savez bien, en Algérie, on a des problèmes de transport, on a des problèmes de tout. Si on ne ramène pas la voiture, on passera même pas des bonnes vacances. Alors, j'ai ramené la voiture, j'ai payé
Cabine, c'est pas cabine, hein. J'ai payé fauteuil, monsieur, j'ai payé 2 000 euros, fauteuil, sans manger, sans rien. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on est des êtres humains ou quoi? Est-ce qu'on est algériens uniquement quand ils viennent pour le vote? Est-ce qu'ils se rappellent de nous, le gouvernement et l'État algérien? Ils se rappellent de nous quand? Uniquement pendant les élections? Et ils se rappellent, madame. Qui porte le drapeau. Voilà, voilà. Maintenant, voilà. Dans le monde entier, ils connaissent l'Algérie grâce à nos enfants. Oui. Grâce aux Algériens qui sont à l'étranger. Et je confirme qu'aujourd'hui, les couleurs de l'Algérie sont portées très haut par vos enfants, vous les immigrés, qui êtes traités par-dessus la jambe. Restez avec nous, madame. Tahar Ahdad de Saint-Étienne, merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous. Bonjour. Salam alaikum, Azul Flaoun. Azul Flaoun. Bon, alors moi, je rejoins tout ce qui a été dit, notamment Monsieur Salah du CCPA. Effectivement, là, on arrive à un carrefour de l'histoire où... Air Algérie s'est fondée autour de sa diaspora, c'est quand même grâce aux émigrés. Aujourd'hui, l'Algérie se vante et prétend qu'elle est assise sur un matelas confortable de 194,01 milliards de dollars, or non compris. On a quand même contribué à l'embellissement de cette compagnie. Un peu comme un fonds de retraite. Les jeunes cotisent pour les plus anciens. Aujourd'hui, on ne demande pas l'aumône. On demande juste de payer un billet d'avion à son juste prix. Voilà, c'est tout. Oui. Il y a quand même d'autres sociétés, d'autres compagnies qu'on peut prendre comme élément de comparaison. Et toutes les statistiques disent qu'on paye le kilomètre aérien le plus cher au monde. Voilà. Mais pourquoi, selon vous, le Maroc autorise la concurrence? Il a pourtant ses compagnies aériennes nationales, la Tunisie aussi, et pas l'Algérie. Pourquoi il n'autorise pas la concurrence dans le ciel algérien? Bon, je pense que... Je sais qu'il y a un moment, il parlait de l'espace aérien, mais bon, c'est pas fondé. Il y a une complicité aussi des pays du Nord. Hein? Qui ont leur intérêt. Bon, j'ai pas fait de géopolitique, je ne sais pas exactement quel est l'intérêt. Oui. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, maintenant, la jeune génération, effectivement, comme a dit Monsieur Salah, nos parents n'étaient pas des cadres. Ils n'étaient pas des cadres. Ils ont durement travaillé, tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont eu avec leur labeur. Ils touchent une retraite qui n'est pas très importante. La moyenne, c'est 650 euros. Oui. Comment voulez-vous les amputer, monsieur? Comment voulez-vous les amputer de 650 euros, 620 euros la moyenne du billet? Comment vous faites? Oui, oui. C'est pas normal. On est indignés. Vous avez... Comprenez? Oui, vous avez quelque chose à dire sur les prestations d'Air Algérie dont tout le monde parle. Mais il y a beaucoup à dire. Oui. Il y a beaucoup à dire. Moi, je vais vous dire, oui. Je vais vous prendre l'exemple de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Oui. Où le chef d'escale, ça fait plus de 7 ans qu'il est en place. Est-ce normal? Il n'y a pas de turnover. Oui, oui. Effectivement, cette société, c'est une ouverture sur l'Occident pour les Algériens autochtones. C'est pas normal. Oui. Je peux parler des ambassades, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, on aura l'occasion peut-être. Monsieur Tahar Ahdad, merci. Nous allons retourner à Monsieur Salah Hajab, le porte-parole du comité en question. Monsieur Salah Hajab. Oui. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme action? Vous nous avez dit que vous vous préparez à organiser des manifestations partout, au niveau de toutes les agences, d'écrire, mais sinon, des conférences de presse, convoquer la presse étrangère pour l'informer, est-ce que c'est dans vos tablettes?
c'est dans notre tablade. Nous, aujourd'hui, on aimerait bien que les compagnies européennes sortent de leur silence, de leur complicité. Nous, on va leur poser une seule question claire, simple et précise. Êtes-vous contraint ou complice? Si vous êtes complice, dites-le moi, parce qu'on va utiliser la justice européenne pour les attaquer. S'ils sont contraints, qu'ils annoncent la couleur. Et comme ça, ça va nous aider d'attaquer cette compagnie qui joue la concurrence, alors qu'en réalité, non, pas du tout. Récemment, il parlait de Tassili Airlines. D'ailleurs, Tassili Airlines, monsieur Boltef, il était déjà le PDG de cette compagnie. Sincèrement, le jeu qu'ils ont fait dans la politique algérienne, c'est-à-dire, ils nous ont crié le FLN avec les pseudo-conquérants, le RND, le TEJ, le MPA, ils ont cloné la même chose dans le transport. On a la première, c'est Air Algérie, le petit clone de conquérant, c'est Aigle Azur, et le troisième clone, c'est Tassili Airlines. Et la même chose avec d'autres compagnies. Je précise juste un point, des compagnies qui sont comme Air France ou bien SNCF ne sont pas sont des pseudo-concurrents, donc dans le sens suivant. Elles ont des accords bilatéraux avec l'Algérie qui limitent leur champ d'action. Elles ne sont pas comme Aigle Azur qui est vraiment complice. Oui. Donc aujourd'hui, nous, on appelle tous les Algériens dans le monde entier. Je rappelle, monsieur Salah Hajjab, je rappelle qu'il semble que Aigle Azur et Air Algérie et conclu entre eux d'avoir des tarifs à peu près similaires, ce qui est formellement proscrit par les lois internationales en matière de marché. C'est-à-dire c'est vraiment, ils se sont mis d'accord sur le pigeon, quoi. Le problème, cet accord-là, c'est un accord sous la table. C'est un accord secret qu'on n'en a pas aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des gens qui ont parlé, ils ont été attaqués dans la justice. Pourquoi c'est un accord sous la table? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir aujourd'hui l'accord qui est entre le parti TEJ et le RND et le MPA? Non, ils disent que ce sont des partis d'opposition. Mais en réalité, ce sont des partis de système, de l'État, de pouvoir. Donc aujourd'hui, nous, on va essayer. D'ailleurs, nous avons interpellé récemment Aigle Azur en envoyant une image qui montre que Paris, Lisbonne, 84 euros. Paris-Alger, la même distance, 336 euros. On leur a posé la question, est-ce que Alger, dans les billets sur leur site internet, c'est Alger qu'on connaît nous, ou bien c'est notre Alger, peut-être, elle est un peu plus loin. Je vais vous interrompre, monsieur Salah Hajjab, il ne nous reste plus de temps. Nous devons passer notre dernier invité qui vient de nous rejoindre, monsieur Sadat Abdelyazid de Lille. Merci d'être avec nous, monsieur Sadat. Avec plaisir. Merci. Quand il s'agit de défendre la cause la plus juste de notre émigration. Alors, je vous en prie. De vous accorder votre antenne. Je vous en prie. Donc, vous allez avoir le mot de la fin. Si vous pouvez tout nous dire en moins de 3 minutes. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, je vous avais évoqué un peu le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, la situation de l'émigration est censée être dans toutes les actualités. Et là, si on ne fait pas l'actualité, c'est le football, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Simplement, s'agissant un peu du démenti du PDG d'Air Algérie, je pense que le nabab d'Air Algérie, on ne peut pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire exclusivement grief au nabab d'Air Algérie sans faire un réel procès à toute la politique du système algérien, particulièrement la politique du transport. C'est que aujourd'hui, Air Algérie est une société, j'ose dire, un peu dominante, des compagnies dominantes, sur laquelle, qui est un peu le diapason, sur laquelle d'autres compagnies sont venues accorder leur violon. Donc aujourd'hui, la tarification, c'est une tarification exorbitante qui ne répond à aucune règle. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la composante de notre immigration, c'est les ouvriers, des retraités, des étudiants, des chômeurs, des petits commerçants. Donc c'est pas la jet set. Notre immigration n'est pas la jet set. Et devant un peu ces tarifs, l'immigration a le droit aujourd'hui de lever sa voix. C'est ce que nous essayons de faire, tous ensemble. Il est clair que le démenti, ce n'est pas un démenti formel, parce qu'il y a une insulte avérée et non pas supposée. Puisqu'aujourd'hui, je disais à l'instant, ce n'est pas un démenti formel, c'est une réplique sismique qui ne fait qu'enfoncer le clou. Sachant qu'il croit, que ce PDG d'Air Algérie croit, balayé d'un revers de la main, le scandale dont il est sujet à part entière. Et il nous dit clairement, circuler, rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, nous devons
nous devons nous imposer, nous réunir, à défaut de nous unir progressivement, parce que nous sommes en train de construire un mouvement qui va représenter désormais cette immigration, qui défend des intérêts, sachant que, comme la dame l'évoquait dans votre reportage, les députés censés représenter l'immigration ne sont là, effectivement, que pour un salaire, et ne sont pas là à apporter au haut les revendications et toutes les doléances de notre immigration qui sont réduites à leur plus simple expression. Devant cet état de fait, il y a lieu effectivement que l'on prenne en charge, qu'on soit sujet à part entière à ce que nous apprend. L'immigration a été sujet à part entière durant la libération. D'ailleurs, l'idée de l'indépendance d'Algérie est partie de l'immigration. Et nous avons été un peu ce poumon de l'économie algérienne, parce qu'il y a des familles qui sont nourries grâce aux modestes revenus de cette immigration. Donc le terme de été l'expression du sacrifice pour que l'Algérie se tienne debout. C'est aujourd'hui nous revendiquant, et plus que nous revendiquant, un peu le droit à la richesse nationale dont on a merci, été conçu. Merci, M. Sedat. Je suis désolé de devoir vous interrompre. Nous sommes tenus par un horaire assez strict. Merci beaucoup. Merci à M. Salah Hedjab. Porte-parole du CCTA, merci à M. Sedat Abdelyazid qui était avec nous à l'instant, à Zahra Zahouani et à Tahar Ahdad. Nous espérons revenir sur ce sujet autant de fois que ce sera possible. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul Fellaouen. Passez une bonne fin d'après-midi.